La Super Terre, notre foyer. Prospérité. Liberté. Salut! La démocratie. Notre mode de vie. Oh, bonjour! Mais la liberté a un prix. Non! Tous liberté! Non! Ça vous parle? Ces scènes se déroulent en ce moment même dans toute la galaxie. Oui, maintenant. Et vous pourriez être le prochain. C'est ça, à moins que vous ne preniez la décision la plus importante de votre vie. Prouvez-vous à vous-même que vous avez la force et aussi le courage d'être libre. Rejoignez les Helldivers. Intégrez les soldats d'élite de maintien de la paix. Découvrez des formes de vie exotiques. Et propagez la démocratie contrôlée dans toute la galaxie. Devenez un héros. Devenez une légende. Devenez Helldiver. Et bonjour tout le monde, c'est Benjamin et bienvenue pour une vidéo découverte sur Helldivers 2, le nouveau phénomène actuellement de ce début d'année, qui est un phénomène complètement inattendu. Personne n'attendait vraiment ce jeu au tournant, et pourtant, apparemment, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc, nous allons découvrir ce Starship Trooper en jeu vidéo. D'ailleurs, le ton général du jeu est vraiment très Starship Trooper. En mode colonial, on vient là pour sauver la liberté, etc., etc. Donc j'ai fait que le tuto. J'ai réalisé uniquement le tuto pour connaître un petit peu la maniabilité. Et nous allons voir ça durant la phase de jeu. Je dois aller là certainement. Vous n'avez pas encore accès à la gestion du vaisseau. Ok, pas de problème. Félicitations, Helldiver. Votre formation est terminée. Le vaisseau est à vos ordres. L'officier de la démocratie bon, attend donc sur le pont. Bienvenue à la guerre intergalactique. Merci. Allez sur le pont. Table de stratégie, voyager. Ok. Donc c'est un jeu qui est exclusivement multijoueur. Bienvenue sur le pont, Helldiver. À partir d'ici, nous guiderons la galaxie vers la liberté. Ouvrez la carte galactique et allez au combat. C'est un jeu qui est uniquement multijoueur où on doit vaincre des vagues d'ennemis de type insectes. Message provenance de la Super Terre. Ces lâches d'automatons ont lancé une attaque surprise sur plusieurs planètes très peuplées de la Super Terre. Les forces armées de la Super Terre sont totalement dépassées. Des millions de citoyens courent un grave danger de mort ou de révocation du droit de vote. Cet assaut ignoble contre la liberté ne restera pas sans réponse. Les foyers de nos concitoyens, doivent être protégés à tout prix. Les ordres prioritaires correspondent aux objectifs de la communauté des Helldivers. Ok. Passez le curseur sur le secteur pour examiner les efforts de libération de la Super Terre. Toutes les opérations contribuent et repousser les ennemis de la Super Terre. Sélectionnez le secteur. Ok, donc là, on a notre Super Terre. Ah bah, il est 100% libéré. Selon vos progrès en cours de la guerre, différentes planètes sont disponibles. Sélectionnez une planète pour voir les opérations actives. Et ok. Ah oh. Ah mais tout est super libéré déjà. Libéré.
Ah, c'est bien ce qui me semblait. Dis donc, c'est beaucoup là. Donc, si je comprends bien, c'est un jeu qui est communautaire, donc toutes les zones là sont déjà été libérées. On va aller là-bas. Défense. 100% libéré, 100% libéré. Mantis. On va aller du coup sur Popilis. Sur 4. C'est intéressant, c'est bizarre. Protéger les chercheurs et escortez-les jusqu'à la zone d'évacuation. Ok, donc ça c'est toutes les missions en fait. 40 minutes. 40 minutes, c'est beaucoup. Hein. On va essayer de faire ça. On va défendre la planète. Voilà. Cette opération alimentera la liberté. Ok. Protéger les chercheurs escortés. Lancement du saut SL vers le système peuplé. Ah bah c'est parti. Sous le contrôle de la Super Terre. Saut SL réussi. Époque prêt. Coordonnées de mission saisies. Entrez dans la Helpot pour lancer les missions. Ah bah c'est parti. J'ai pas regardé du coup les équipements que j'avais. Sélectionner un point de largage. Voilà. Sélectionner les équipements. Les stratagèmes. De manière, j'en ai pas 15 000 hein. Pas de bonus. Lancement. Voilà, parfait. Oh, la musique, elle est épique. C'est stylé en vrai là. Sur une planète qui est vraiment cool. Largage des robots détectés. Ah, c'est des robots qu'on affronte là. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Allez, voilà. On voit rien. Oh putain. Putain, ils envoient des... Oh, c'est la misère là. Ça arrive de tous les côtés là. Oh punaise! Oui, c'est... Requête approuvée, renfort en chemin. Escortez le personnel, mais il est où le personnel? Si je
super chaud là. Mais attendez, c'est super chaud. C'est ça la démocratie. Oh putain, mais c'est super chaud. Requête approuvée, renfort en chemin. Je rejoins ma mémé. Tu veux une tasse? Ok, je mets un steam. Et je vais appeler un stratagème ici. 10 minutes restantes pour accomplir la mission. Quoi ? Dernier chargeur. Super chaud hein. Je me fais complètement dépasser. Alors, vous aimez le goût de la liberté ? Escorter le personnel jusqu'à la navette d'évacuation, mais ils sont où les personnels ? Montrez-moi mes ennemis. Super chaud. Dites bonjour à la démocratie. Chargeur vide.
Putain, c'est super chaud, je me fais complètement dépasser. On va essayer de défendre le truc, hein. On va essayer d'échapper à ça. Oh putain, terminé, je suis mort. Requête approuvée, renfort envoyé. Il voit rien. Ça va démocratiser. Mais recharge, sac à merde! Oh là là, je suis mort. Ouais, j'ai plus de. Échec de mission. C'est super chaud! Sacrifice inutile. Ouais, j'ai même pas gagné d'XP. Eh ben quel fiasco! Ah, nouvelle difficulté débloquée, facile, merci. Stratagème. Princesse de la bienveillance, c'est mon vaisseau. En même temps, c'est super chaud là. Bonjour. On va regarder les équipements et les armures. Oh! Progression des obligations de guerre. Super boutique. Acheter des super crédits. Oh là là. Ça, ça me fait peur un peu. Armurerie. Pour le moment, j'ai pas grand chose. Ça change pas des masses. Le truc de base est bien hein, déjà. Là, il est bien. Une cape. Bon, bah écoutez. Mettre un truc un peu mince. Titre. Sous-officier. Carte du joueur. La liberté, prospérité. Helldiver, au rapport. Je vais essayer de trouver une mission facile en vrai, parce que c'est pas facile. En vrai, là, c'est pas évident. Les automatons ont lancé un assaut violent contre notre empire. Nous devons riposter sur le champ. Donc là, c'est les automatons, donc c'est les robots. Comment je sais. Libéré. Sélectionner une opération. Ah, mais c'est là qu'on voit les degrés de difficulté. On va faire ça à T1. Lancement du saut SL vers le système Errata.
Ok. Écoutez, ça sera peut-être plus simple. Donc là, du coup, on va se battre contre les termites. Saut réussi. Coordonnées de mission saisie. Alors, il faut que... C'est quoi mon... Détruisez les œufs. Bon, ouais. Ça, c'est les œufs. Bon, on va atterrir. Zone de... Ça, c'est danger. Présence d'ennemis. Zone d'extraction. Là, il n'y a pas d'ennemis. On va atterrir ici. Alors, sachez que mourir au nom de la démocratie est un honneur. Je note le lieu, à l'ouest. Donc on est à l'ouest. Hein. Le but c'est de détruire les œufs, visiblement. Chaleur intense. Putain, mais il y en a beaucoup là. Super chaud, hein. Requête approuvée, déploiement de renfort. Rejoins la mêlée. Marqueur sur la carte, au sud-ouest. Mais c'est abusé, 53 œufs. Qu'est-ce qui s'est passé là?
putain, je crevais. Ah, c'est pas possible. La démocratie vient d'atterrir. Super chaud. Super chaud la mission en vrai. Dernier chargeur. De munitions. Oh non! Putain, c'est pas possible, c'est trop dur. Tout seul, c'est vraiment impossible à jouer, hein. Seul, c'est vraiment impossible à jouer. Montrez-moi mes ennemis. Oh, c'est vraiment impossible. Tout seul, c'est vraiment impossible à jouer. C'est trop complexe. Qu'est-ce que c'est que ça là? Court de munitions. Plus de munitions. Putain, j'ai plus de mun. Déploiement de colis d'équipement. C'est mon dernier chargeur. Grenade.
Ah, punaise. Ouh. Super chaud en vrai. Pas de souffrance, pas de liberté. Note le lieu, au nord. Ouais, c'est super chaud. En vrai, c'est compliqué. Tout seul, c'est une mission qui est vraiment complexe. Là, je suis en facile en plus. Hein, et... C'est une espèce de mine, ça. Donc ouais, c'est quelque chose qui se fait en multi, hein, clairement. Après, le jeu, il a vraiment un charme. Le gameplay est plaisant. Il faut juste bien utiliser les stratagèmes. Balise de détresse et tout. Non, franchement, c'est cool. Le jeu a un charme. Mais non, il faut trouver les copains, quoi. Et apparemment, il y a que du friendly fire. Putain, c'est marrant ça. C'est quoi ça là-bas? Donc on voit que la zone est là-bas, par contre il y a quelque chose là-bas qui m'intrigue. Essayez d'aller voir. Il y a quelque chose. C'est un point d'intérêt ici, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas grimper? Je peux pas, non, bon, visiblement non. Quelque chose, oui. Et j'en fais quoi de ce lieu? Rien? C'est bizarre. Le son est bien géré aussi. Hein. Une attaque se prépare. Utiliser les stratagèmes tout le temps en fait. Oh putain, quel con. On n'y voit rien. Oh putain! Ravitaillement, il est par là, hein. Ouais, c'est ça.
frappe orbitale imminente. Putain, on n'y voit rien avec le soleil rasant. Même les plus petits sont vraiment des menaces. Hein. Vous aimez le goût de la liberté ? Vous aimez le goût de la liberté ? Putain, ça va être complexe là. Faut essayer de contourner la chose. Ah bah t'es parfait. C'est là mon... Putain, il a pété mon truc. Enculé. C'est complexe, hein. C'est complexe. C'est complexe. On est déjà à 38 minutes de vidéo, hein. De toute manière, on n'est pas très loin de... d'avoir perdu. On va voir hein. Comment ça se goupille tout ça. Mais c'est pas simple. Les œufs. Qui veut une tasse de liberté ? J'en ai tué 15 sur 60 là-bas. Si je me fais déborder, par contre, je suis baisé. Ah putain, je suis baisé ! Il reste 20 secondes avant de pouvoir rappeler des renforts. Où est-ce qu'il y a un nid? Il doit peut-être y avoir un nid là-dedans. Ah, regardez là-bas. Ok, on court.
Non, je suis cuit. Ah, je suis au ralenti. Oh, je suis foutu, fin de la mission, c'est un échec. Aïe, 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 ah non, il m'en reste encore un. On va aller vers les œufs, hein, directement. Il y a des munitions là. Fusil de précision. Oh, c'est chaud. Allez, cours. C'est assez complexe. Oh! Vive une tasse de liberté! Vous ne détruirez jamais notre mode de vie! Vous ne tuerez jamais notre mode de vie! Oh putain, il y a un gros derrière moi! Non! Plus de steam. Ah, j'ai plus rien. Ah, je peux pas utiliser un truc. Financement additionnel pour renfort approuvé. Oh putain. C'est chaud. Plus de munitions. Chargeur vide. Comment je fais là? C'est complexe, hein. Ah! Des munes. On va essayer d'aller vers les œufs, hein, encore. Là, je suis dans la merde. Ah! Éliminé par quoi? Oh là 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 là, par un crasher. Bon. Montrez-moi mes ennemis. Je suis blessé. La liberté est éternelle.
super chaud en vrai. Tout seul, en, tout seul, c'est, on évite des ber. C'est mon dernier chargeur. Envoie le colis d'équipement. Il me reste 14 minutes. Financement additionnel pour renfort approuvé. Chargeur vide. Il est où? Vous êtes en dehors de la zone de mission. Oh mais non, mais nique-toi. Où sont mes munitions? Elles sont là? Je crois que c'est ça. C'est complexe, hein. Il reste 12 minutes. Putain, il m'a fait peur l'autre. Oh punaise, je suis mort encore. Il m'a 6 œufs à casser. C'est jouable, hein. Oh punaise, incursion d'insectes détecté. Oh punaise. Que je retrouve mes munes, il y avait des munitions par là, là. Si ça pouvait éviter de me... Je crois que c'est par là, mais où exactement, je sais plus. Il me reste que 6 œufs, 10 minutes. Il me reste combien de temps là? Ouais, c'est jouable. Pour
Parfait. Pas aujourd'hui. C'est mon dernier chargeur. Alors, vous aimez le coup de la liberté ? Putain, c'est complexe, hein. Avant-poste d'insectes. Zone sécurisée. Ah. Ok, on a 6 œufs à péter. Ok, mission réussie. Allez, on se déplace. Avant-poste d'insectes repéré. Non, non, c'est bon, on les laisse, on les laisse. On fuit. C'est plus la peine. C'est super chaud, hein. Putain, c'est super chaud même. Je note le lieu. Sud. Il me lâche pas, hein. Bon, à 5 minutes, on devrait y arriver. Je sais pas ce que c'est que ça, là. Il y a un truc. J'ai trouvé un truc. Ouais. On est dans une zone un peu plus calme. Bon, il me reste 4 minutes de vidéo. Eh ben écoutez, je sais pas si on va réussir à finir ça. Mais sachez qu'en tout cas, pour le coup, c'était plutôt une bonne expérience. Je me suis éclaté. Navette d'extraction. Demande d'extraction confirmée. 2 minutes d'extraction. Bon, après, là, c'est bon, 2 minutes. Y'a personne qui va venir là. Est-ce que je vais mourir avant la fin? C'est possible. Arrivé dans une minute
j'ai plus de steam. Dernier chargeur. Arrivé dans 30 secondes. Arrivé dans 20 secondes. Eh ben voilà, parfait, on a réussi. Première mission terminée, messieurs, dames. Et on termine là-dessus. Eh ben c'était compliqué. Mais faisable. Mais clairement, je vais me redire, c'est clairement un jeu qui est jouable en multi. Hein. Super chaud tout seul. Super, super chaud. Ah, j'ai tué un avant-poste. Ok, bon, bah écoutez. Bonne expérience. Bon, 3 étoiles, c'est pas ouf, mais bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.